Coucou, comment allez-vous? Nouveau vlog. Alors ce matin, grande nouvelle, très grande nouvelle, j'ai appelé qui? J'ai appelé ma coiffeuse, je lui ai demandé l'autorisation de commencer un petit peu à faire quelque chose. Donc je lui ai dit, alors, en priorité, ce que j'aimerais, c'est neutraliser tous ces effets roux, ces effets cuivrés. Est-ce qu'on peut commencer à éclaircir et à passer, enfin donner un effet un petit peu plus blond? Donc j'ai rendez-vous dans 2 jours, donc j'ai rendez-vous vendredi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle m'a dit au début, on peut faire une patine, mais elle a peur que la patine, ça vire encore plus. Après, elle m'a dit, peut-être qu'on pourrait tenter un balayage, enfin, plein de mèches ultra fines, mais il va falloir contrôler de près, parce que déjà, d'une, elle a peur que ça pète, que mes cheveux pètent, et de deux, elle a peur que ça fasse pas blond et tout, mais que ça fasse plutôt doré, enfin, que ça vire. On va essayer, et puis je pense que le temps de pause, elle va vérifier vraiment très régulièrement. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment que mes cheveux pètent, parce que là, je vois qu'ils sont quand même abîmés. On va se faire ça de façon tranquillou, vendredi, je vloguerai. Sinon, quoi d'autre? Bah toujours, hein, My Muesli, démarrage, très beau démarrage, j'ai eu la marque, j'en ai parlé sur Insta, je n'en ai pas parlé là. My Muesli donc m'a contacté et me donne un petit peu, comment on s'appelle, le tracking, en fait, toutes les ventes. Et le démarrage a été super suivi, ça fait hyper plaisir. Donc bah ça continue, hein. Vous pouvez toujours commander mon tube Muesli. Alors là, je vous le mets de toute façon en barre d'infos, le lien direct. Mais là, ce que j'ai hâte, c'est que bah, vous le receviez, que vous le goûtiez et puis que vous me fassiez le retour. Parce qu'il faut savoir quand même, Eric m'a éclaté déjà un tube. C'est moi qui le freine. Il le pique en douce tellement il est bon. Il le prend au goûter, il le prend au petit-déj, il le prend le soir. Moi hier, c'est vrai que je m'en suis fait un bol devant la télé, mais il est tellement bon qu'il faut que je me réfrène parce que c'est hyper gourmand, c'est délicieux. Donc j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Aujourd'hui, donc j'ai fait hier le tournage de Shein que vous aurez très certainement vu hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo, il y a des trucs trop bien. Et puis j'avais 2 fringues de plus par rapport à d'habitude. Et donc là, bah, j'ai tout le montage à travailler ce matin. On est en fin de matinée. Voilà. Il est 2h15, j'ai fini de manger et je m'apprête à tourner. Est-ce que je vous ai dit que j'ai reçu ça ce matin? La Birchbox, j'ai pas envie de faire de vidéo dédiée, je vais l'ouvrir comme ça et je vais la mettre sur Insta en fait. Je vais présenter vite fait. S'il y a un truc très sympa, vraiment genre un make-up et tout, je vous montrerai vite fait. Bon, en résumé, ce qui est top, c'est qu'ils nous ont mis un eyeliner. Il y avait la petite boîte et tout avec, noir, donc bah, parfait, moi je n'en avais plus. Et également ce produit parce que c'est Herborian, c'est une excellente marque de bébé crème. Comme j'expliquais, moi je n'utilise pas de bébé crème, mais je la mets de côté pour, bah pour vous, hein, pour des futurs concours. Et la trousse, je sais que tu pouvais l'avoir d'une autre couleur. Il y a d'autres choses, mais je ne vous montre pas tout. Voilà. Donc ça, c'est les deux vraiment produits que je trouve très bien. 4h10, j'ai encore mis du temps, mais bon, ça devrait être bon. Je vais goûter, à votre avis, je vais goûter quoi? Mon muesli. On me demandait aussi, tu le manges avec quoi? En fait, tu le manges avec ce que toi tu aimes. Si tu aimes le lait, si tu ne gères pas le lait, bah fais avec un yaourt. C'est aussi bon les trois avec un fromage blanc. Ou même comme ça, en fait, tellement c'est bon. Là, je vais le mettre juste avec du lait. Moi, j'en ai pas beaucoup de lait. J'aime bien avoir le croquant. Ouais, c'est vraiment très peu. Bon, par contre, ça, je commence toujours soft. Et puis, bah, après, j'ai la main un peu lourde. Hein. Que j'ai vraiment tapé dans le mille avec l'association. Les petites boules comme ça de chocolat noir et les mélanger avec les petites boules de chocolat blanc, le biscuit, le granola, c'est tellement bon. Mais ils sont quand même très sombres surtout. Ah bah tu peux pas t'empêcher, hein. C'est son perchoir. Je comprends, les petits oiseaux ça te rend dingo. Jackie, c'est toi? Allez, on rentre. Ah, regardez mon portant Vinted et il a bien diminué. Ça part. Bon, bah là, forcément, hein, reste des choses comme ceci. Pas vraiment. Ah, si, remarque, il faudrait que je les remette, les petites vestes à jour, là. Ça plaît bien. Bon, bah ça, c'est peut-être aussi un peu trop léger, cette veste en jean. Et tout ça, il va falloir que je les mette. Je les ai pas tous mis. T'es sûr, tu veux pas qu'on aille à But? Non. Pourquoi? Il est tard, bon, il est 5h30. Il ne faut jamais aller à But. Il est 18h46. Et comme nous allons être confinés très certainement
Vendredi, je pense qu'ils y vont l'annoncer jeudi à partir de 18h. Je me suis dit, enfin nous nous sommes dit, qu'il serait peut-être judicieux d'aller faire un McDo maintenant, parce qu'après, tu n'auras plus McDo le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est soit aujourd'hui, soit ce soir. Là, il est au téléphone avec ses parents. Je vais lui soumettre, on en avait déjà parlé hier. Oui, je vous ai montré les masques. Vous savez pourquoi? Putain, ils puent. J'ai acheté cette boîte chez Leclerc. C'est les seuls qui a. Ils puent, mais un truc, c'est que du truc toxique. Tu mets ça, genre, même pas une minute, tu tombes dans les pommes. Je l'ai fait sentir, Eric, il me fait, oh là là là, jette-moi ça. Mais ça sent, ils doivent mettre un produit, je sais pas. Donc voilà, la boîte est neuve. Et ben, je vais les jeter. Le problème, c'est que t'en as pas ailleurs. Et en pharmacie, ça coûte un bras. Et moi, je prends que des jetables. Les autres, je peux pas respirer dans les trucs à laver. Enfin bon, ça fait chier. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que vous avez... Mais il me semble que j'en avais acheté chez Leclerc. Il n'y avait pas eu ce problème. Donc voilà. Tout ça, de toute façon, tout ça, c'est déchetterie. Parce qu'ils s'annoncent quand, là, les voitures électriques obligatoires dans les grandes villes? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, Eric. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a vu Jackie? Ah oui, j'ai laissé la couette. Hein. Très confort, de toute façon. Tant que le... canapé n'est pas là, je laisse comme ça, ça met un truc encore plus pour mon dos et ma nuque, vous voyez. Oh ma puce, t'es un gentil chat toi, tu veux manger McDo, un filet aux fiches, c'est ça tu veux? Mais oui, ça sent fort les masques, hein. Non je viens de me laver les mains, avec le super truc. Bon, t'as fait hyper vite, en fait t'as fait la commande pendant que t'étais au téléphone. Non, j'ai pas vu combien. Ah, j'ai pas vu. Et Dieu sait que je fais des trucs. Fais voir, t'es où? Ah, 16€ avec tous les trucs, c'est cool. Bah alors, par contre, on n'aura pas des vaccins. Non, mais on s'en fout, c'est très bien. Parce qu'en fait... Ouais, ouais, c'est cool. Pendant qu'il était au téléphone, je lui ai dit... McDo. Il fait... Comment? Oui, t'as assuré, bébé. T'es le meilleur. Et je lui dis McDo. Je lui dis ouais, c'est fini, il est 19h14. À 20h, on doit être tous rentrés. Hein. Et ben, il l'a quand même commandé. Voilà, petit McDo, 16€, j'avoue, ça vaut le coup. En ce moment, parce que je sais que vous aimez bien des fois quand je vous dis ce que je regarde sur Netflix et compagnie. Donc je regarde, comme je pense beaucoup, la nouvelle série Bridgerton. Voilà, c'est ça. La chronique des Bridgerton. Ah, j'ai la sensation d'être épiée. Tu me regardes, Jackie? Et oui, donc, je sais pas si je vous ai dit, mais concernant le coiffeur de vendredi, elle m'a bien dit, surtout, là, tu ne les laves pas, et même le shampoing sec, tranquille, quoi. Donc, bah, demain, je les lave pas, après-demain non plus. Parce qu'il est hors de question que je prenne le moindre risque. Bah voilà, il n'y a plus qu'un. Oh, c'est appétissant quand même, hein. Petite sauce, série, c'est parti. Nous sommes le lendemain, changement de programme. J'ai eu un petit appel ce matin, enfin je l'ai rappelé, de ma coiffeuse. Donc au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être annulé. Et en fait, non, pas du tout. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu es dispo aujourd'hui pour qu'on fasse un test? Parce que je pense que ça l'inquiète aussi. Un test mèche sur quelques mèches. Je trouve ça super pro. De façon à voir comment ça va évoluer la couleur avant qu'on fasse toute la tête et surtout si mes cheveux vont résister. C'est quand même un petit peu plus prudent effectivement. Donc cet après-midi, je vais faire le test cheveux et demain, en fonction du résultat, on fait toute la tête ou pas. J'avais prévu aujourd'hui de vous faire un tournage face cam, donc ça sera une autre fois parce que sinon j'aurais pas le temps et de faire le montage, blablabla. C'était, je vous le dis, parce que je pense que ça va vous intéresser. Je suis en train, vous savez, j'ai trouvé un nouveau correcteur, enfin un anti-cerne, je veux dire. Et j'ai trouvé une technique. Donc, il y a le correcteur, mais il y a d'autres choses qui font que je trouve que mes cernes, mes poches, sont un petit peu moins prononcées avec cette technique. Et forcément, bah, je vais vous partager tout ça. Parce que ça va, le but, c'est que je vous donne des petits conseils aussi. Je pense que ça sera dans peut-être la semaine prochaine, je vous ferai ça. Je voulais également vous montrer quelque chose que j'ai reçu ce matin. J'ai trouvé la tension tellement sympa. Donc c'est My Muesli qui m'a envoyé, regardez, un tube pour me souhaiter la bonne année avec mon nom. Et bah, ils ont composé, pareil, ça m'a l'air d'être quand même assez gourmand. Est-ce qu'on va voir, chère Caroline, quelle année riche en événements, un grand merci d'avoir fait partie de cette aventure. Nous souhaitons une bonne année et plein de bonnes choses pour ton petit déjeuner. C'est hyper sympa. Ce qui va se passer pour
nous tous, en fait. Je vous explique. Vu que cet après-midi, je vais faire le test cheveux, ça doit être sur les coups de 4 heures, j'aurai... je ne vais pas avoir le temps de vous filmer ça. Donc, je me suis dit, je vais faire un vlog spécial cheveux avec la journée, avec cet après-midi, donc le test, et demain. Donc, ça va être combiné en un, mais je ne vous mettrai pas le vlog demain, vendredi, mais samedi. Vous aurez le vlog sur 2 jours. Voilà, donc ça sera vraiment spécial cheveux. En attendant, je vais arrêter maintenant ce vlog pour pouvoir le monter, enfin, vous commencez à connaître. Je vous fais un gros bisou et du coup, je vous dis à samedi. Merci de me regarder jusqu'au bout. Bisous.